Bon, on va réessayer pour voir si je peux lire vos commentaires. Je ne sais pas si c'est mon phone qui bug, ça c'est pas très sûr. C'est le même, pourquoi? Ah, c'est bon, je vois vos commentaires. Comment vous allez, mes doudous? Bonjour, Jaja Sanogo. Merci, Kofi Cave. Kouyaté. Ah, ok, vous êtes là. Là, je vous lis. Bon, il y a certains qui m'ont écrit en inbox pour me dire que ils attendaient que je parle du statut que j'ai mis ce matin sur Facebook. D'accord. De toute façon, je comptais vous en parler parce que il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Le truc, c'est que j'ai eu à voir pas mal de vos commentaires sur ce post où il y en a qui disaient. Ouais, mais on ne trouve pas du boulot. Donc comment on peut réussir ou non. Ça dépend dans quel genre de famille tu es né. Donc ensuite, tu as des voies qui sont ouvertes pour pouvoir réussir. Je suis désolée. Je suis désolée, mes chéris. Moi, j'ai été tellement déçue de me rendre compte que la plupart des jeunes filles qui sont là, que ce soit sur le net ou dans la ville ou quoi que ce soit, mais sont des fainéantes, sont des rêveuses. Voilà. Je ne parle pas je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais j'ai eu à rencontrer pas mal, vu que j'ai eu à faire pas mal de casting, que ce soit pour ma première boutique ou pour jusqu'à aujourd'hui Empire. Mais à chaque fois, on reçoit des milliers et des milliers de CV. C'est cool, vous envoyez des CV. Il y en a même qui nous disent, ouais, mais elles ne savent pas comment faire des CV. On est obligé de les forcer à les faire pour que finalement elles puissent venir déposer des CV. Donc elles réussissent à le faire et qu'ensuite elles viennent, elles passent les différentes. Comment on appelle ça? Ose Bibi est là, elle vous salue. Elles passent les différentes. On les met comment on appelle ça? En essai. Voilà, on les met en essai et tout. Et que finalement on essaie de les prendre aussi pour travailler. Je reste choquée qu'en fait, elles n'ont pas l'envie réelle de travailler, en fait. C'est-à-dire que dès que le système, parce que moi, je vous le dis, que ce soit en matière de boulot, je suis très stricte. Donc dès qu'il y a un peu dès que je deviens très stricte et que je vais leur faire comprendre que ici, c'est le boulot, que voilà, ben, tout part en couille. C'est difficile pour elles de venir à l'heure. C'est difficile pour elles de respecter les règles, des règles qui sont très très simples. C'est difficile pour elles de respecter en global tout ce qui est règle pour pouvoir mieux travailler et même pour elles-mêmes de se mettre à fond dans leur boulot. Mais arrivé à un moment, tu te poses des questions. Donc elles postulent là. C'est pourquoi? C'est pour venir regarder mon visage le matin ou mais c'est pour venir vous balader ou mais c'est pour venir chercher votre pain pour pouvoir ensuite devenir quelqu'un demain. Je suis choquée, je reste mais bouche bée devant de tels comportements. Je ne comprends pas. Donc pour vous, c'est quoi en fait? Pour vous, c'est quoi réussir sa vie? Pour vous, c'est quoi devenir quelqu'un demain? Je suis désolée, on commence tout petit pour avoir gros comme ça. Mais vous n'avez même pas l'envie de le faire. Mais vous voulez être celles qui ont des iPhones dernière catégorie, qui ont des mèches longues comme ça qui coûtent des millions. Vous voulez avoir je sais pas, des sacs de marque et tout. Mais en faisant quoi? En faisant quoi? Allons sur le principe qui est très simple. Parce que vous allez. J'en ai vu qui disent, ouais, genre nous, quand je dis vous, je parle de moi et de toutes celles qui sont people aujourd'hui. Vous êtes sérieuse en fait quand vous pensez qu'on a besoin de se vendre, de faire des bisous pour pouvoir aujourd'hui en être où on en est? Allons simplement sur le principe que vous pensiez que c'est ce qu'on fait, d'accord? Allons sur le principe du fait qu'on se vende, d'accord? On se vend, il n'y a pas de problème. Mais quand tu finis de te vendre là,
L'argent que tu as pris pour te vendre là, mais investis pour ne plus te vendre demain. Ou bien, c'est comment? Donc, toi, tu vas continuer de te vendre indéfiniment dans ta vie pour pouvoir subvenir à tes besoins. Ou même pour pouvoir, je ne sais pas, réussir. Et puis, l'argent de vente là, la plupart du temps, même, on ne peut pas prendre pour investir, pour faire quelque chose avec. Vous ne connaissez pas la vie des gens, vous ne connaissez pas le parcours des gens. Donc, arrivé à un moment, quand moi, je suis là devant ce genre de comportement, mais je suis choquée. Je suis choquée. Au final, nous sommes des exemples pour vous par rapport à quoi, au fait? Par rapport à notre mode de vie, quoi, sac de marque, mèche ici, je ne sais pas, voyage par là. Mais cherchez à comprendre le fond, à connaître le fond des choses. Mais sachez que chacune de nous aujourd'hui a eu un parcours, vient de loin aussi. On n'a qu'à enlever le côté où, oui, tu as des parents qui sont bien placés, tu n'as pas eu à ramper dans ta vie pour devenir ce que tu es. Les parents ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils t'ont mis à l'école, tu n'as manqué de rien. Mais après, c'est à toi de faire ce qu'il faut pour réussir, en fait. Je suis désolée, mais arrivé un moment, tes parents, même s'ils veulent te donner du travail ou même te présenter des gens qui peuvent t'aider, si tu es fainéant, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Si tu n'as pas la force de te battre pour réaliser ce qu'il faut que tu réalises, tu ne vas pas devenir quelqu'un. L'argent de ton papa, ce n'est pas pour toi. Vous fatiguez, vous donnez la migraine. Arrive un moment, on ne comprend plus rien. J'ai eu à embaucher pas mal de filles ici, mais qui ne veulent rien faire. Ou bien on vous a dit quoi? Que quand vous venez travailler chez Emma Lolo, elle vous présente à X ou bien Y pour faire quoi? Mais détrompez-vous. On vient ici, on travaille, mais sérieusement. Vous êtes dans des délires, mais c'est incroyable. Et vous parlez de quoi? Vous voulez réussir, vous payez des passes pour être sur le net, pour insulter les gens sans comprendre le parcours des gens. Moi, là, j'ai eu à travailler dans des instituts. J'ai eu à être insultée par des patrons. Pour être actrice, ou quand on s'est levé un matin, on est passé par la petite porte. Sinon, on allait en être fiers. Mais non, on ne peut pas être fiers des choses qu'on fait quand on passe par la petite porte. Je suis désolée. J'ai eu à me faire insulter. J'ai eu à me faire ridiculiser. J'ai eu à être rejetée dans des castings. Qui vous a dit qu'on s'est levé un matin comme ça et puis c'est tombé sur notre tête? J'ai eu à faire des petits commerces, d'avoir un petit magasin avant d'arriver dans Empire. Et de là, l'Empire, je trouve que je n'ai pas fini, qu'il faudrait que je continue parce que j'estime que je n'ai pas réussi. Mais vous pensez que quoi? Que j'ai attendu quoi? Que papa me tende la main, que papa fasse ci, fasse ça? Et oui, il pouvait le faire. Mais est-ce que j'allais en être fière aujourd'hui? Mais posez-vous les bonnes questions. Aïe! Vous voulez être les plus sexy, vous sapez, si fait ci, fait ça là-bas, je ne sais pas. Mais en faisant quoi exactement? En attendant le gars, là derrière, donne-moi 500 pour acheter la boîte d'allumettes, donne-moi 5000 pour me tresser, toujours vous tendez la main. Bougez-vous, merde! C'est de petit boulot en petit boulot en petit boulot qu'on devient quelqu'un. On ne se lève pas un matin comme ça pour devenir quelqu'un, pour devenir ce qu'on a rêvé. Il faut se dire qu'il faut que tu bosses jusqu'à ce que les personnes qui sont tes idoles aujourd'hui soient demain des fans de toi parce qu'ils finiront par comprendre que ton parcours a été dur, mais tu as tenu bon. Mais pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage. D'échec en échec, on finit par réussir. On ne se lève pas un matin, donc comme on n'a pas réussi ce business-là, non, celui-là n'a pas été bon, donc on laisse. Attends. Mais je suis déçue. Vous me décevez, en fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand on passe son temps à vouloir attendre le garçon, là, le gars, là, l'homme, là, on réussit, puis on est une femme, on peut se taper la poitrine? Qui vous a dit ça? Même pour celles qui sont en couple ou autres qui ne font rien, puis elles attendent le mari. Qui vous a dit que c'est comme ça que ça se passe? Et tu veux avoir quelque chose à dire? Vous fatiguez. Seul le travail paie. Seul le travail paie. Je suis désolée. Mais dès que vous échouez, une seule fois, vous restez à terre.
vous ne vous relevez pas parce que non, vous avez d'autres initiatives, vous avez d'autres, pardon, d'autres alternatives. On n'a qu'à prendre simplement l'exemple du gars brouteur. Il fait broutage, il broute. Non, quand il broute les gens là. C'est pas une bonne chose, hein. Ok, mais finalement, il réussit à avoir son argent là-dedans. Il prend, il investit. Arrivé à un moment, il ne fera plus de broutage. Il va vivre des investissements qu'il a pu faire. Et il en sera fier demain, même s'il a mal commencé. Mais la terminaison, la finalité de ce qu'il a pu faire avec ses mauvais choix ont été récompensés parce qu'il s'est dit que, bon, arrivé à un moment, je ne peux pas rester dans la mauvaise voie. Mais vous, l'argent que vos différents petits gars vous donnent, vous prenez pour faire quoi? Non, comme Maloès a fait mèche blonde, je dis, mais payer mèche blonde. Mais Maloès a son derrière soudé. Elle a fini de déposer ses pions, elle a fini de gérer ses choses, donc elle peut s'amuser. Non, j'ai vu tel habit, comme ma camarade a ça, je vais aller acheter ça. Pendant que tu peux prendre, coller, puis commencer un petit business. Et puis, laisse celles qui vont se moquer de toi, tes copines qui vont rire parce qu'aujourd'hui, tu vends poisson, parce qu'aujourd'hui, tu vends igname, parce qu'aujourd'hui, tu vends ta banane, parce qu'aujourd'hui, tu as un petit kiosque. Mais 10 ans ou 5 ans après, on va s'asseoir pour regarder qui a réussi. Mais commencer quelque chose. Commencez quelque chose, faites quelque chose de votre vie, peu importe ce que c'est. Moi, mon père, il me donnait comme conseil tout le temps, fais ce que tu as envie de faire, mais sois la meilleure dans ce que tu fais. Parce que justement, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Commencez quelque chose pour pouvoir avoir ce que vous voulez à la fin. Parce qu'il y en a effectivement qui n'ont pas le choix. Mais si tu as mis 500 de côté à chaque fois là, ça devient beaucoup et puis ça peut faire quelque chose. Pourquoi vous voulez tous les jours que quelqu'un enlève dans sa poche pour vous donner pour faire? Mais à quel moment la souffrance là, tu as souffert pour pouvoir faire ce qu'on t'a donné l'argent pour faire là, pour que tu puisses prendre conscience que c'est important pour toi? Faut chercher toi-même, tu vas voir. Si arrivé un moment, tu ne vas pas prendre ça à cœur parce que justement ça vient de ta poche. Arrêtez. Arrêtez d'aimer la facilité. Mais jusqu'à quand? Les années passent, jusqu'à quand? D'autres m'écrivent, non, on veut être actrice comme toi, il faut nous dire comment tu as fait. Moi, je n'ai pas fait de cours d'acting. Je voyais des films, je me suis dit, ouais, j'aime bien, je kiffe, je veux bien essayer. J'ai fait des castings, on me chassait comme du n'importe quoi. Aujourd'hui, si ces mêmes réalisateurs qui me chassent à voir, ils savent. Quand le film est sorti, j'étais même étonnée. On dit d'aller faire le tour du monde parce qu'on nous appelle ici, on appelle ici. Dit, ah, ça, c'est quoi ça encore? Ça m'est tombé dessus, mais pourquoi? Parce qu'au final, je me suis dit, ben, je continue, même si ces gens-là me frustrent. Mais moi, c'est ce que je veux faire, donc je continue. Au final, ça payait. Mais ce n'est pas pour autant aussi que je me lève pour faire 10 000 films parce que j'ai trop qu'on me voit. Non. Parce qu'arrivé un moment dans ta vie, quand tu finis par réussir le peu de choses que tu as voulu faire, il faut maintenant que tu puisses te comporter de telle sorte que ça devienne quelque chose de meilleur. Pas non plus que tu sois là sur la place publique. Arrivé au moment là, tu n'as plus d'importance. Tout est calculé, tout doit être géré. Arrêtez d'envier dans le vide. Arrêtez de suivre vos amis dans le vide. Vous ne savez pas d'où ils viennent. Les réseaux là. Ne regardez pas les réseaux. Chacun vous ment sur les réseaux là-bas. Chacun s'invente une vie pour vous donner sur les réseaux là-bas. C'est ça que vous allez regarder pour aller faire n'importe quoi au lieu de vous asseoir pour réfléchir à savoir comment vous allez avancer dans vos vies. Il y en a qui sont là, qui ont des talents innés, mais qui ne les développent pas parce qu'ils attendent quelqu'un. Ah bon? C'est ce qu'on vous a dit. Arrêtez ça. Il y a des films qu'on a reçus ici qui faisaient partie des écoles d'esthétique et tout. Mais tu sens même qu'elles sont là-bas. Elles ne se sont pas concentrées pour bien apprendre. Donc elles sont venues faire du nyamanyare ici. Connerie. Mais donnez-vous les chances. Quand tu décides de faire un métier, concentre-toi dessus.
Sois le meilleur dans ce que tu entreprends de faire. Je suis désolée. Et pour revenir à ce que mon papa me disait tout le temps, il dit, mais quand tu es riche, que tu as l'argent, celui qui est pauvre mais intelligent va bouffer tout ton argent. Mais ça a tout son sens. Parce qu'il y en a effectivement qui ont de l'argent, mais qui ne veulent rien faire, qui ne veulent rien apprendre, sont assis là. Et puis ils emploient des personnes qui n'ont rien, mais qui viennent les dépasser dans où on les a embauchés là. Mais il s'agit d'intelligence. D'autres parlent de chance. Mais on provoque sa chance. On ne s'assoit pas, et puis un matin, ça tombe sur soi. Mais c'est ça, nous tous, on s'assoit, et puis ça va tomber sur nous. On ne va pas se lever matin, courir ici, courir là-bas, essayer d'avoir plus qu'il ne faut. Si vous ne voulez pas travailler, nous, Dieu merci. Moi, Dieu merci, je ne vais pas dire nous, parce que là, je parle de moi maintenant, là. Dieu merci. D'échec en échec, je suis arrivée où je suis. J'estime que je ne suis même pas encore au quart de ce que je voudrais être dans ma vie. Si on a pu aujourd'hui en être là, ouvrir un spa, sans compter les autres départements que ce spa-là contient, et qu'on décide de donner du travail à nos soeurs, à nos frères, qui en ont besoin parce que justement chacun rêve aujourd'hui d'être quelqu'un, et que vous ne vous donnez pas les moyens quand vous êtes dans cette entreprise ou même dans d'autres entreprises de pouvoir être quelqu'un demain dans votre vie, ben, on ne va pas faire plus que ça. On ne peut pas faire plus que ça. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est de tendre la main de cette manière-là à des personnes qui n'ont pas pu avoir ce qu'on a aujourd'hui. Mais vous ne nous encouragez en rien. Vous ne nous encouragez en rien. Je me suis levée ce matin et puis j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir aujourd'hui, je peux appeler même ça un privilège de travailler quelque part. Parce que travail, on ne gagne pas. Et puis vous jouez avec. Je ne sais pas. Ça me fait mal, ça me choque parce que bon, je comprends pas. Je comprends pas. Ressaisissez-vous, mes chéris. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Ne restez pas là à rêver. Vous êtes des rêveuses, en fait. Vous rêvez votre vie. Non. On ne se lève pas un matin, puis nos rêves-là se réalisent. On se bouge. On bouscule la chance. On bouscule le destin. Maintenant, si Dieu a décidé que non, vraiment, toi-même, il n'y a pas réussi dans ta vie, là, c'est un autre cas. Mais je ne pense pas qu'il ait décidé ça pour les enfants, pour ces enfants que nous sommes sur cette terre-là. Pourquoi? Pourquoi? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Nous, si on est là, qu'on crée des entreprises et tout, c'est pas parce qu'on a envie d'embaucher. Les gens, on n'a qu'à dire que, oui, on a ouvert entreprise, on a ouvert... C'est pas ça. Oui, ok, cool. De toute façon, on a des revenus et c'est super. Mais ça fait plaisir aussi quand tu vois que telle ou telle personne aujourd'hui peut nourrir sa famille grâce à toi. Telle ou telle personne peut manger 3 fois par jour grâce à toi. Ça fait plaisir. Au lieu de rester là derrière vos claviers tous les jours, à insulter les gens parce que vous êtes aigri dans votre maison, à faire tant, tant, tant. Mais bougez-vous. Vous pouvez devenir plus que nous. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas abracadabra, non. Tu veux, tu peux. Tout simplement. Tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez. Mais arrêtez de dormir sur vos lauriers. Arrêtez d'en vouloir à la terre entière. Parce que pour vous, ne bouge pas. C'est votre faute. C'est la faute à personne. Laissez les sorciers du village. Leur nom est déjà gâté. C'est votre faute. C'est votre faute. C'est pas la faute de quelqu'un. C'est votre faute. Donc, s'il vous plaît, redescendez sur terre. Arrêtez de regarder à gauche, à droite, qu'ils vont dire que mes copines vont dire que je vends poisson, mes copines vont dire que j'ai un petit commerce à 2 balles. Elle, comment elle a fait pour avoir pour elle là? Ça, c'est à son niveau. Voilà. Toi, tu sais où tu es en train d'aller. Donc, comme tu sais où tu es en train d'aller là, le bruit autour de toi ne doit pas t'intéresser. Tu dois être focus, focalisé sur ta destination, en fait.
J'espère que j'ai été claire. J'espère que je ne suis personne même pour vous donner des conseils. J'essaie juste de vous expliquer que la vie, là, on ne se lève pas comme ça, puis on se dit que tout va bien se passer, puis on a réussi. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Voilà. Je vous love, et puis j'espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds ou de sourdes. Vraiment. Bisous.